Si tu aimes mes vidéos et veux m'aider à faire grandir la chaîne, n'oublie pas les pouces bleus, les commentaires et le partage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Salut les bricolos! Aujourd'hui, je voulais vous parler des erreurs qu'on pense avoir commises pendant notre première année de chantier. Les erreurs sont inévitables sur un chantier et encore plus dans notre cas puisqu'on est débutant. Il est très important de prendre le temps de réfléchir aux erreurs qu'on a pu commettre parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et dans le cadre de cette chaîne, j'estime que c'est encore plus intéressant pour vous de voir nos erreurs plutôt que de voir que des réussites. Donc dans cette vidéo, je vais parler de sujets liés à l'organisation générale d'un chantier qui peuvent s'appliquer à mon avis à tout type de chantier, mais aussi de sujets plus spécifiques aux nôtres afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Comme vous le savez, on a acheté une maison ancienne dans son jus à la campagne dans le but de la restaurer nous-mêmes et notamment d'aménager un grenier. On a acheté cette maison avec tout ce qu'elle contenait, c'est-à-dire les meubles, la vaisselle, etc. On trouvait ça hyper cool de prolonger la vie de tous ces meubles anciens qui avaient déjà vécu de nombreuses années dans cette maison, mais aussi de partir à la chasse au trésor dans toutes les malles que les anciens propriétaires avaient laissées dans le grenier. Mais on s'est vite rendu compte que trier tous ces objets nous prenait un temps fou. D'ailleurs, on a abandonné cette idée. Et on a décidé de tout entreposer dans un coin pour libérer l'espace pour pouvoir enfin commencer le chantier. Donc notre première erreur a été de sous-estimer le temps qu'allait nous prendre le fait de trier tous ces objets, de libérer l'espace et d'avoir enfin une maison à peu près vidée pour pouvoir commencer les travaux. En plus de ça, on a décidé de déménager notre appartement en ville et de venir nous installer dans la dépendance de la maison pour pouvoir être sur place et participer au maximum aux travaux. Le déménagement n'a pas arrangé les choses puisqu'on a ramené toutes nos affaires, ce qui a ramené encore plus de bazar à gérer. En plus de ça, on a sous-estimé le temps qu'allait nous prendre notre emménagement, mais vous connaissez certainement ça. Mais si! Mais le dernier carton que vous avez laissé au milieu de votre salon pendant presque un an lors de votre dernier déménagement. Bah voilà, bah c'est de ça que je parle. En plus de ça, il nous a aussi fallu du temps pour trouver nos marques dans cette nouvelle maison. Bah oui, nous on est citadins, donc il a fallu qu'on s'adapte à la vie à la campagne. On est dans une nouvelle région, il faut qu'on apprenne à découvrir les gens, qu'on rencontre nos voisins, qu'on passe du temps avec eux. Et il a fallu qu'on se sente vraiment chez nous dans cette maison. À mon avis, c'est impossible de se lancer dans une activité aussi prenante que la restauration d'une maison, si le soir, on ne peut pas se retrouver dans un endroit qu'on estime être vraiment chez nous. Et tout ça aussi, c'est du temps indispensable qu'il faut absolument prendre. Et nous, on ne l'avait pas forcément pris en compte dans notre planning. Enfin, on n'avait pas de planning, mais dans l'idée qu'on se faisait de notre planning. Bon, tout ça pour dire qu'avant même de commencer quoi que ce soit, on avait déjà pris beaucoup de retard. Donc si j'ai un conseil à vous donner, voyez vraiment, vraiment, mais alors vraiment large dans le temps nécessaire à la mise en place du chantier. Bon, là, il était temps de s'y mettre. Et quand on a commencé à bosser, eh ben on s'est rendu compte qu'on avait vraiment largement surestimé notre capacité à travailler sur un chantier. Bah oui, nous on est citadins et on bosse dans des bureaux, donc notre corps n'était pas du tout prêt à encaisser une journée entière de travail sur un chantier. Mais quand je dis pas prêt, c'est-à-dire qu'au début, on travaillait 2 heures maximum dans une journée entière, et le soir, on était mais mort. Mais c'était ridicule, on pouvait plus bouger, on avait des courbatures partout. On était complètement claqué, on aurait dit qu'on avait 90 ans, quoi. Et je me souviens plus trop combien de temps ça nous a pris, mais je dirais que ça nous a pris au moins 3 semaines d'habituer notre corps pour qu'il soit capable de passer une journée quasi complète sur le chantier. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Quand son corps n'est pas habitué à travailler sur un chantier, eh ben vous allez mettre du temps. Même si vous êtes sportif, parce que c'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes efforts, travailler avec des outils électroportatifs assez lourds qui vibrent et tout, enfin, faut vraiment prendre le temps de s'habituer. Et puis, à mon avis, il ne faut pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, on risque de se blesser, et si on se blesse, bah, on ne peut plus bosser. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, mais on avait fait des erreurs de diagnostic quand on avait visité la maison. Dans notre cas, on avait vraiment sous-estimé l'ampleur de l'attaque des xylophages actifs dans la maison. Quand on s'est installé, on s'en est vraiment rendu compte, et donc du coup, on a été contraint d'agir. Ça nous a aussi pas mal retardé, parce que déjà, il a fallu réfléchir à comment faire pour lutter contre les xylophages, et une fois qu'on a trouvé la solution, il a fallu traiter. Donc nous, on a décidé de traiter toute la dépendance et une partie de la maison. C'est très chronophage, c'est assez fatigant, en plus ça coûte de l'argent, et surtout, ça a encore retardé le début du chantier. En parlant du traitement contre les xylophages, on a fait une erreur. Vous avez pu voir dans la vidéo que je vous mets ici qu'on traite par injection des solives en chaîne. Toute la procédure que je vous montre est juste, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais par contre, injecter des solives en chaîne, c'est complètement inutile. Je m'en suis rendu compte qu'après, malheureusement, en lisant un bouquin sur la charpente et en échangeant avec un d'entre vous, un abonné qui est charpentier, merci encore pour ton commentaire d'ailleurs,
En fait, le chêne est inimprégnable. Donc ça sert à rien de chercher à injecter le produit dans le chêne. Et en plus, en bûchant et en ponçant, on a pu se rendre compte chez nous que le duramen n'était jamais attaqué. Donc au final, j'ai ajouté un produit chimique chez moi et j'ai dépensé du temps et de l'argent pour rien. Ensuite, il faut essayer au maximum de conserver l'existant. C'était une remarque du même abonné sur la vidéo dans laquelle je détruis le plancher de l'étage, que je mets ici. L'idée, c'est que les matériaux utilisés par les anciens ont d'excellentes propriétés, qu'on cherche d'ailleurs à reproduire aujourd'hui. Ce sont des matériaux très efficaces en termes d'inertie, de déphasage ou d'isolation phonique. Donc si possible, il faut essayer au maximum de les conserver. Alors attention, hein, je parle des matériaux d'origine, ou en tout cas des matériaux qui respectent les caractéristiques de l'habitat ancien. Parce que dans la maison que vous allez récupérer, si vous achetez une maison ancienne, vous avez tout ce qui est d'origine ou tout ce qui a été installé après en respectant les caractéristiques. Et puis vous avez plein d'autres matériaux qui ont été ajoutés qui sont pas terribles. Comme par exemple les enduits ciment sur les murs dont on a déjà parlé plusieurs fois. Eux, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de problème. Bon, dans notre cas, je pense qu'on a eu quand même raison d'enlever ce qu'on avait sur notre plancher. Donc pour rappel, nous on avait des planches de bois au-dessus desquelles il y avait de la terre battue et ensuite de la terre cuite. Donc tout ça, c'est des très très bons éléments, il n'y a pas de problème. Hein. Mais nous, le problème, c'est que le plancher à cet endroit-là agissait vraiment comme un trampoline. Et donc, je pense qu'on a eu raison de tout enlever pour pouvoir ensuite renforcer notre structure. Et en plus, ça nous a permis d'installer les plaques de MDF au-dessus des solives. Donc, ça nous permet d'avoir un très joli plafond de manière assez facile à mettre en œuvre pour des débutants. Ensuite, il ne faut pas se précipiter sur un chantier. Ce point-là est à la fois évident et très compliqué. Parce que, évidemment, il faut bien réfléchir avant d'agir pour éviter de faire de grosses bêtises. Mais d'un autre côté, si on fait que réfléchir, eh ben on n'agit jamais et le chantier n'avance pas. Donc il faut réussir à trouver un juste milieu et c'est pas toujours évident. Par contre, il y a certains moments où on sait qu'on agit dans la précipitation au fond de nous, mais on se le cache parce qu'on a très envie d'avancer. Et ça, ces moments-là, on peut les éviter. Donc je vais prendre un exemple pour nous, c'est quand on a installé les plaques de MDF sur le plafond. En fait, quand on a reçu le médium, il était pré-peint et on n'était pas du tout content de la couleur blanc cassé, un peu dégueu. On savait que cette couleur ne nous plaisait pas. Mais on avait très très envie de terminer cette tâche, à savoir finir le plafond. En fait, il faut bien comprendre que ça faisait des mois qu'on était sur le chantier et qu'on faisait que soit vider la maison et faire de la préparation, soit traiter contre l'exilophage, soit démolir. Donc c'était la première fois qu'on finissait enfin quelque chose et on avait très envie de le faire vraiment au plus vite. Et donc on a fini par se persuader que même si la couleur ne nous plaisait pas, on allait l'installer quand même et peut-être on allait s'habituer à cette couleur. Évidemment c'est complètement faux, du coup il a fallu qu'on démonte tout, qu'on repeigne tout et qu'on réinstalle tout. Ça nous a fait perdre un ou deux jours, c'est pas très grave. Mais en cumulant ça sur un chantier, eh ben, au final on perd énormément de temps. Parlons de l'installation de ces planches justement, parce que c'est là où je pense qu'on a fait la plus grosse erreur dans notre chantier. Si vous avez vu comment on a installé les plaques, on les a d'abord découpées dans la cour, parce qu'elles sont très 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 lourdes, et ensuite on les a installées à l'étage. Et donc pour être sûr de pouvoir les installer, j'ai pris pas mal de marge entre deux plaques, entre 1 et 2 cm, donc je les ai coupées un peu trop courtes. Mais je me suis dit que c'était pas grave, parce que comme ça de toute façon j'étais sûr de respecter les joints de dilatation entre deux plaques, alors qu'à mon avis 1 mm suffisait. Hein. Et puis que de toute façon, comme je l'ai posé au-dessus des solives, et que les solives elles-mêmes font entre 12 et 14 cm d'épaisseur, ben ça se verrait pas et donc ce serait pas grave. Mais en fait c'était une erreur, parce que non seulement ça se voit, bah oui il y a des endroits où les solives sont très creusées, donc la plaque est posée au-dessus, bah du coup on voit le joint par en dessous. Et en plus, les endroits où les solives sont très creusées, bah j'ai pas réussi à les plaquer complètement avec les vis. Donc non seulement on voit le joint, en plus on voit la vis, et en plus on voit l'éclat qui a été fait au moment où j'ai percé pour mettre la vis. Donc c'est hyper frustrant après avoir passé tout ce temps à avoir des plaques nickel. Mais en plus ça me gêne pour les travaux à venir. Parce que moi, ce plancher, bah, je vais l'isoler. Et le truc le plus intelligent, à mon avis, pour isoler ce plancher, c'est d'utiliser du vrac. Je ne sais pas encore de quelle matière, ouate de cellulose, laine de coton ou autre, ça on verra, mais en tout cas du vrac. Et donc, comme il y a un espace important entre deux plaques et qu'il y a des endroits où vous avez les solives qui sont creusées en dessous, et ben ce vrac, il va passer par en dessous et on va avoir de la poussière qui va tomber dans le salon. Si j'avais fait comme il faut, c'est-à-dire laisser 1 à 2 mm entre deux plaques, je mettais un joint acrylique et terminé, je pouvais mettre mon isolant sans problème. Donc voilà la plus grosse erreur qu'on ait faite sur ce chantier. Donc si jamais vous aussi vous voulez faire comme nous, poser des plaques au-dessus de solives existantes, et ben faites attention à bien calculer au millimètre près la taille de vos plaques lors de la découpe et vous aurez beaucoup moins de problèmes. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre des choses dans cette vidéo et si un d'entre vous évite une erreur grâce à moi, et ben ce sera déjà une réussite. N'oubliez pas les pouces bleus, le partage, les commentaires, enfin bref, vous savez, pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine !